Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Zaz vient de sortir un album Sur la route et nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Zaz. Salut. Bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir. Vous étiez venu ici au début de l'aventure, en septembre 2010. On était même là pour votre tremplin réservoir, Génération Réservoir, en 2009. Donc je pense que c'était la première télé, en fait, de cette longue aventure. Depuis, vous avez fait le tour du monde, vendu des millions d'albums. Vous venez de sortir un album. C'est marrant quand, c'est dingue quand on dit ça, mais c'est la réalité. J'ai un petit peu résumé les choses, mais c'est la réalité. Vous venez de sortir un album de concert, Zaz sur la route. Et j'ai l'impression que Zaz sur la route, ça pourrait être également le titre de votre vie depuis ces 6 dernières années. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté. Mais en même temps, c'est vrai que quand il y a des propositions de concert, puis d'aller dans... Enfin, il y a eu tellement de pays, tellement de rencontres et de demandes. Ouais, on va là où on veut nous voir, nous écouter. Donc, et puis moi, j'adore chanter, donc c'est... Alors sur cet album, avec cet album, il y a un DVD qui raconte une tournée, puisque depuis, il y en a eu d'autres. C'est un petit bout, ouais. Un petit bout de cette tournée. Et le film commence par votre arrivée au Chili. Et il y a un comité d'accueil qui est là. Il y a 2 ans, en fait. C'est comme ça dans tous les pays. Il y a du monde qui vous accueille à l'aéroport, partout où vous arrivez. Oh, il y a souvent une ou deux personnes. Au Chili, c'était pas... Au Chili. Oui, on a faim un petit peu. C'était particulier, il y avait vraiment beaucoup de monde, et puis ça chantait, enfin, c'était beaucoup, beaucoup de gens. Souvent, il y a quelques personnes, mais là, comme ça, non, c'est assez rare. Alors, vous êtes devenue une ambassadrice de la culture française à travers le monde, on peut le dire comme ça. Comment est perçu notre pays partout où vous allez ? Ah, il y a un réel... Je ne savais pas, en fait, jusqu'à ce que je voyage et que je me confronte aux gens,
Il y a un vrai amour de la langue française, de l'histoire. Et puis, ils aiment mais l'histoire d'avant, c'est-à-dire le romantisme. Le... Enfin, je ne dis pas qu'on ne l'est plus, mais ils aiment l'idée de la vieille France dans les rues, la lumière, les cafés. En fait, je pense qu'on vit déjà... Enfin, nous, on vit dedans, donc on ne se rend plus compte du charme. Enfin, moi, on s'en rend compte, mais c'est vrai qu'on s'habitue vite aux choses. Et il y a un côté folklorique pour eux qu'ils n'ont pas chez eux. Donc, ouais, ils aiment la culture française, ils aiment ils aiment la chanson française, ils aiment la langue française. Qui sont les artistes qui les ont marqués? C'est surtout, souvent, ce qui revient, c'est Piaf. Piaf, c'est souvent Piaf qui revient. Ouais. J'habite à coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu ne vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faut rêver à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à sortir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé. Des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis ce silence qui me fait froid dans tout mon cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid. Et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter dans la nuit. Quand le vent jette au ciel sa rengaine,
fini. Quel est le public le plus surprenant que vous ayez rencontré? Parce que j'imagine que chaque public est très différent. Oui, chaque culture est différente. Après, il y a des cultures qui sont vraiment différentes. Genre, au Japon, ça, c'est carrément... Là, c'est même plus la même manière de... Enfin, tu peux même pas comprendre parce que c'est même plus... Enfin, c'est plus du tout les mêmes codes. C'est plus... Par exemple, un concert au Japon, qu'est-ce qu'il y a de très différent par rapport à un concert en France, par exemple? Je sais pas, dans l'émotion, dans l'énergie, ils sont super respectueux, très 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 respectueux. Ils m'écrivent des lettres à la main où ils écrivent en français, donc pour eux ça doit être quand même bien compliqué. Ils te font des cadeaux, c'est-à-dire il peut y avoir un fan qui vient, il vient le matin, le midi et le soir, et il me fait des cadeaux. Donc c'est des bonbons, un paquet de mouchoirs, un petit machin. Ils expriment pas leurs émotions, enfin c'est pas naturellement, ils expriment pas naturellement leurs émotions dans la société, c'est pas, ça se fait pas. Mais du coup quand ils le font, c'est waouh, enfin c'est incroyable. Ils sont très, enfin je sais pas, ils sont vraiment touchants. Ils vont être super calmes et puis d'un coup ils vont péter un câble. Je sais pas, c'est surprenant quoi, la culture, le des codes différents. Tout est différent, ouais. J'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi.
appelle à part contente. Et quand il me visite, je suis la transparente. Je me sens pas lente, je me sens lente. Mes enfants, mon étoile, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois, je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit. Mais j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps sans me dire au revoir. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la moule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Vous avez une affection particulière pour l'Allemagne et son public. Oui, parce pourquoi que c'est le, bah, c'est le premier quand j'ai sorti mon premier album, ça a autant fonctionné en France qu'en Allemagne. Mmh. Donc ça a été le premier public qui m'a qui vous a soutenu. Qui m'a porté. Et du coup, on a fait je sais même pas si on n'a pas fait plus de dates en Allemagne qu'en France. Et pendant vos tournées comme ça, vous avez le temps d'aller écouter de la musique, rencontrer des musiciens? Jouer avec d'autres, non? C'est rare, ça arrive, mais c'est plus rare que, que, que,
Oui. Que souvent, ouais. Oui, parce que vous passez votre temps, en fait, soit à voyager, soit à chanter. C'est ça, puis il y a les répétitions, les interviews, il faut dormir, faut se reposer. Il faut dormir. Bah, oui, là, pour la voix, il n'y a rien de mieux. Il faut dormir. Puis les trajets, quoi, ça prend énormément de temps. Quand on regarde le film, on voit que vous êtes très impliqué dans la vie du groupe aussi. Vous êtes, vous maternez pratiquement maternez, tout le monde. En tout cas, vous êtes. Moi, je chicane plus que je materne. Ouais. Mais vous êtes là quand même. Vous êtes quand même très présente. C'est la vie en communauté comme ça sur la route pendant tout ce temps. C'est aussi. Mais je suis comme ça avec les gens en règle générale. Enfin voilà, quand je côtoie des gens et qu'on est ensemble au quotidien, enfin je suis vachement dans des rapports affectifs et j'ai besoin de. Je suis vivante quoi, donc. Voilà, puis je sais pas, je vis avec... Enfin, c'est les musiciens, donc moi, les musiciens sont autant importants que le chant. Enfin, sans eux, je ne suis pas portée non plus. Enfin, ça fait partie d'un tout, donc c'est hyper important de... C'est quand même... C'est ma famille aujourd'hui. Enfin, on vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, on est sur scène ensemble, on vit des choses très très fortes ensemble, on voyage ensemble, on se voit plus que nos familles. Merci beaucoup, Zaz. Merci, je vous souhaite une longue et belle carrière, c'est bien parti. À bientôt, l'album s'appelle Sur la route. On ira récupérer les mots coins de Manhattan, on ira rougir le thé dans les socaman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle.